Des sandwichs, du jus, les incontournables du pique-nique sont là. Mais l'ingrédient magique aujourd'hui, c'est le lieu. Nous sommes au carrefour entre Molenbeek et le centre-ville, donc de la chaussée de Gand à la rue Antoine-Dansart, sur le canal. En quoi c'est symbolique d'être ici aujourd'hui ? Alors c'est symbolique parce que c'est le point noir de cette circulation et c'est un peu là où tout le problème se concentre. Des problèmes de circulation, de pollution ou encore de nuisances sonores, c'est ce que dénoncent ces riverains. Aujourd'hui, pas de voiture sur ce pont. On déroule le tapis rouge pour faire de la place. Le but, dénoncer mais toujours dans une ambiance conviviale. C'est un pont qu'on prend souvent. On a l'école qui est juste ici, de ce côté-là, et on habite de l'autre côté. Donc on passe à vélo tous les matins et la sécurité nous préoccupe et la circulation. Et donc voilà, on trouve que l'initiative est intéressante. Une initiative originale qui attire également les enfants comme Louis qui a l'habitude d'emprunter ce pont. Je suis là parce qu'il y a tout le temps trop de voitures et trop de bruit. C'est bien aujourd'hui que tout le monde soit venu. Tout comme Louis, beaucoup sont venus en famille. Certains ont fait tout seuls le déplacement, d'autres se sont réunis entre amis, comme Anne-Lise. L'occasion de partager un moment ensemble, tout en faisant bouger les choses. Moi j'habite juste là, mes enfants vont à l'école à Molenbeek. Chaque jour j'ai peur. On voit les voitures partout, les bus, les vélos, les trams, tout le monde est ensemble. Et c'est vraiment, c'est juste pas, il n'y a pas une structure, un peu en plan. Et Anne-Lise n'est pas la seule à être remontée. Elle se s'est également déplacée pour ce dimanche, pas comme les autres. Le message, c'est surtout de demander plus de place pour les vélos et les piétons pour limiter le trafic routier dans la ville et rendre la ville aux citoyens. L'occupation festive aura pris place jusque 16 heures. C'était la deuxième édition du genre. En juin, ils étaient près de 500. Cette fois-ci, ils étaient un peu plus d'une centaine à s'être réunis.